2, 3, 4. Vide. Oui. Une deuxième main vide. Une troisième main vide. 1, 2, 3. Tiens, Diego, donne-moi ta main. Merci. Oh, juste la main, pas le t-shirt. Merci bien. Regarde bien. Hop là. Cette paille est totalement ordinaire et pourtant, concentrons-nous un instant. Concentrez-vous. Faites comme ça avec vos doigts. Regardez bien comment ça se passe. Voilà, elle bouge. Alors, on peut même faire des trucs absolument énormes qui servent totalement à rien, comme par exemple, on va faire disparaître Jérémy. Tiens, Jérémy, mets-toi là comme ça. Je te fais disparaître en tapant dessus 3 fois avec la paille. On compte jusqu'à 3. À 3, tu disparais. 1, 2, 3. Et non, c'est la paille qui a disparu. Mince. Où est-ce qu'elle est? Mais vu, vous pouvez pas pleurer. Ça va, parlez plus fort, j'ai une paille derrière l'oreille. Ah, juste là, pardon. Ah oui, non, pardon. On souffle dessus. Attention. 1, 2, 3. Des bonbons! Génial! Ah, c'est une tasse qui fait vache. C'est toi qui fais. Non, c'est là. Bon, allez, je vous laisse, c'est au fait. Joyeux Noël! Au retour de Manuel. Alors, normalement, j'ai ça. Ici, voilà, j'ai ça aussi. Et je devrais avoir celle-ci également. Parfait, très bien. J'ai bien compris. Voilà. Ah, ah, la bague, elle ne va pas quitter mon doigt. Pardon, on va le refaire. Il va prendre ma main comme ça et il... Ah non, pardon. Oh là là, 3. Elle a sauté, vous avez vu, c'est extraordinaire. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai oublié ma baguette hélicoptère. Quelqu'un va jouer une homme? Oui, moi. C'est vrai? Oui. On va le refaire, faut qu'il dise non, j'ai oublié. Est-ce qu'on peut virer ce magicien, s'il vous plaît? Voilà, Jérémy, tu veux épater ta fiancée et lui faire un tour de magie? Ouais, génial. Alors tiens, on va faire un truc énorme. J'ai oublié de me préparer, excusez-moi. Salut. La pièce. Voilà, reviens. La pièce. Faut pas vous disputer pour ça, regardez, on va régler ça à pile ou face. Face, pile. Ok, c'est parti. Et c'est pile, c'est Gulliver qui a gagné. Tiens, voilà ta pile. Ouais, c'est vrai, en plus tu prends le gobelet. Salut les enfants. Sur la tête de votre assistant. Hein? Retournez le tout et placez-le sur la tête de l'assistant. Ça, c'est très bien, ça. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous savez ce que c'est ça? C'est un élastique. Hop là. C'est la clé du mystère. Moi, je suis super content, j'ai trouvé un portefeuille dans la rue par terre. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai fait tomber un truc, je peux plus faire. Attends, le côté noir, parfois, il reste pas noir. Ah bah si, là, il reste noir. On va leur faire. Regardez. Ouais, tu peux la faire. Tiens, pas le tenir comme ça. Je suis avec Chouchou, qui veut apprendre un tour avec des Fanny. Il y a un monsieur qui disait, oui, pour 50 centimes, t'as plus rien. Donnez-moi chacun 50 centimes. On paye maintenant pour la magie. Non, c'est pas pour me payer, je vais vous faire des tours avec ce truc. Vous allez voir. Salut les canailles. Non mais Seb, tu peux me rendre ma pièce, s'il te plaît. Comment? Tu peux me rendre ma pièce, s'il te plaît? Ah, non, je ne la rends pas. En fait, il avait raison, monsieur. Pour 50 cents, t'as plus rien. Ciao. Ça va. Ça tout. Et hop. T'as envie de te moucher? Bienvenue à Mongoland. C'est cool! Ma bulle, mon bim, ma barre! Non! Je ne comprends pas le bonheur! Je ne comprends rien. D'abord. Je ne comprends pas. Acheter un décodeur! Il n'y a plus qu'une chose à faire, prendre la clé des champs! Allez, salut! Ciao! Il est complètement la clé des champs! N'importe quoi! Bonjour, comment vas-tu? Bien! Moi, c'est Sébastien, là. Enchanté, et toi, c'est comment? Gulliver! Gulliver, mais c'est pas un prénom ça! Gulété, j'aurais compris, mais Gulliver! Rien fait, moi! Moi non plus!